personne. Akuna muntu. Personne. Akuna muntu ata moye. N'a le droit ou le anarusiwa de juger soi-même de son problème. Kukata mambo yake ye mwenyewe. Et de prendre une décision. Na kukamata mupango. Non. Apana. Tu n'as pas décidé, ma soeur. Dad, auna na mupango ya kukamata. Et tu n'as pas décidé, mon frère. Na we nduku yangu, auna na mupango ya kukamata. Tu ne dois pas décider seul. Tu fais partie d'un corps. Tu es membre de l'église. Tu as des conducteurs. Les anciens sont là. Un problème très grave, comme un problème grave. Mambo ya nguvu. Personne n'a le droit. Akuna mutu yako na analani. De juger de soi-même son propre problème. Akuna mutu na lali ya kukata mambo yake mwenyewe. Et demande des décisions. Na ukamata mpango. Il doit venir à l'église. Na pasha kuya kukanisa. À la maison de Dieu. Kunyumba ya Mungu. Là où la parole de Dieu est prêchée. Là où nous rassemblons pour prier notre Dieu. Nous venons ici. Exposer nos problèmes. Et les anciens ont été établis pour juger. Et nous dit ce qu'il faut faire. Ukata mambo yote na kutuonesha ni nini tunapaswa kufanya. Quand nous venons à l'église. Wakati tunakuwa ku kanisa. Et sur le problème. Kuleta mambo yetu. C'est devant Dieu. Ni mbele ya Mungu. Les pasteurs ou les anciens. Pasteur wala wazee. N'ont pas jugé avec les sentiments. Awawezi ukata mambo na upendelevu. Ils doivent laisser la parole de Dieu trancher. Wanapasha kuacha neno la Mungu kukata ile mambo. C'est la parole de Dieu qui nous justifie. Ni neno la Mungu ndio inatuhesabia haki. C'est la parole de Dieu qui nous condamne. Na neno la Mungu ndio inakuwa inatuhukumu. Frère, sœur, Ndugu nadada. Quand vous venez pour le jugement, wakati mnakuja na mambo, il faut parler. Inafai kusema. Par vos paroles, kwa misemo yako, vous serez justifié. Utesabiwa haki. Par vos paroles, kwa misemo yako, vous serez condamné. Utahukumiwa. Sœur, dada, c'est quoi? Nini. Qui t'a sébé? Je ne veux pas parler, je refuse. Maintenant, nous allons juger comment? Ça, tout à sambi, chabio, je. Nous jugeons sur la base de vos déclarations. Ni kufuatana na bile mutasema, njo tutakata mambo. L'homme parle, bwana nasema, la femme parle, bibi anasema, et nous jugeons. Na tuna sambisha, tunakata mambo. C'est le problème du couple. Ni mambo ya mundoa. Entre l'homme et la femme. Kati ya bibi na bwana. Le mariage. Bukweri. C'est un problème de l'homme, d'un homme et d'une femme. Ni mambo ya mwanaume na mwanamuke. Le mariage. Ndoa. N'est pas l'union des familles. Aina mungano ya majama. Non. Apana. Ce n'est pas l'union des familles. Aina mungano ya majama. C'est l'union entre l'homme et la femme. Ni mungano ya mwanaume na mwanamuke. Ce n'est pas l'union de la famille. Aiko mungano ya jama ya majama. C'est pourquoi. Cho kwa sababu. Les familles. Majama. Ne doivent pas se mettre dans ce problème. Ayezi kuingia mambo ya ndoa.
les familles. Madama. Et donc se mêler dans ce problème. Ayezu kuingia mambo ya ndoa. Nous jugeons l'homme et la femme. Tuku tunasambisha mwanaume na mwanamke. Nous jugeons pas de famille. Hapana majama. Quand nous consacrons le mariage ici. Pale tunakalala tunaunganisha ndoa hapa. Il n'y a pas